Au pif, il doit y avoir quelque chose à ramasser. Oui. Attends, Kenny. Moi, j'aurais peut-être dû lire en fait, parce que j'ai pas lu. Oui, je sais, c'était idiot. Mais je crois que ça parlait de Kennedy, des communistes, guerre froide, etc. J'ai juste vu Kennedy communiste. Ah bonjour. Ce serait pour une imprimante 3D. Mais non, mais. Mais tape-le! Photo de base militaire, telle qu'elle était en 1962, dans la guerre froide. Ah oui, ça parle de guerre froide. Oula! Il est en train de muter! Ah non. On a débloqué quoi avec ces conneries? J'en ai aucune idée. Ah, il y a quoi là? Allez, des balles. Putain, des pièces d'identité. Le mec qui va sortir du bordel, des pièces d'identité, il en aura plein de cul, quoi. Alors chérie, tu nous as rapporté quoi de ton voyage? Alors, j'ai plein de trucs. J'ai des cartes d'identité, de lui. Ah ouais, lui c'était un copain. Ah ouais, au moins que sa femme soit morte, j'ai pas suivi. Attendez, je pouvais passer directement à droite? Ou c'est moi qui... D'accord, donc j'ai fait un détour inutile. Oh! Ah d'accord. Ok, alors là c'est bien, j'aime bien pouvoir ne plus rien voir. Putain, ça tremblait tellement, j'arrivais même plus à savoir où il était mon personnage. Quoi. Un des jeux vidéo portables, ah bon? T'as pas le temps, Randa, tu joueras à Candy Crush plus tard. Oula, putain, j'ai le réflexe. Chose étrange chez moi. Ok, monsieur pète des portes. Hein. Oh non! Daddy! Daddy! C'est un putain de zombie, il découpe là! Bon, je sais que c'est un peu triste là, on est dans l'état, mais. Ah non! Attends, me dis pas qu'il y a son cadavre. Ah non! Ah bah, tu m'étonnes, sont avérés des échecs. Captain Obvious est avec nous, hein, apparemment. Non, tu ne m'as pas vu. Hop! Oui, des gens pendus, des hélicos. Pourquoi il y a toujours le temps des. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Si là-dedans il n'y a pas un truc intéressant. Ouais, d'accord. Mec, perd des parts de la page du journal. Ouais, ah, ton dialogue qui s'en va. Cupid, des rebelles. Ouais, on peut lire les soldats prétendent. Ah, parce qu'en plus qu'il y a une invasion zombie, maintenant il y a la terreur faite par les soldats. C'est génial. C'est le génie du nouvel ordre, bah oui. Quel bordel, putain, mais moins apocalyptique, on peut pas là. Hein. Plus je veux dire un peu quand. Non, le Stella est énorme, du coup on fait quoi ici, on se cache sous les bureaux? Non, qu'est-ce qu'on fait? Attendez, j'ai dû rater quelque chose. Ah oui, je me disais. Oh non, ils m'ont pas repéré. Allez, ascenseur. Ah bah putain, mais il a pas été long, ils nous ont pas mis le petit stress de il vient pas. Et oui, vous l'avez tous déjà eu ce petit stress de il vient pas. Ah. Oula, très très hors de tout ça. Désolé pour la suite. Where's the boy? I don't know what you're talking about. The boy who was with you. He's no one I know. Où est le gamin? Throw down your weapon! It's not even loaded. Tell us where he's hiding. Throw down your weapon, or I swear I'll shoot! Coup de crosse dans la gueule. Non, Randa! Sooner or later you'll tell us. Do you hear me? Randa! Oh, Randa! This broadcast was recorded on the 1st of June. Mais pourquoi tu coupes la cinématique comme ça? Ouais, non mais attends, c'est même pas une prison qu'ils m'ont mis et déjà une bouche d'aération que je peux péter là-haut. Je peux la sentir, ma famille.
Bon. Ah non, on peut carrément ouvrir la porte. Non. Ah bah non, oui. Non, t'es pas sérieux. Ah, je me disais aussi, avec un mec armé, j'étais pas sûr, hein, mais... Putain, ça va augmenter le nombre de fails par 10, ça. Est-ce que... Non, j'ai aucune arme de lancer. Allez, lève-toi, on a déjà vu ça. Ça y est. Comment on va faire là par contre? Parce que c'est très rigolo d'ouvrir les portes et de se faire buter, mais peut-être faut juste. Non, c'est pas possible. Attends, peut-être que si j'y vais doucement, il dort. Mais elle est tombée, la porte. Non? Et attendez, j'essaie des choses hein, pour pas me faire repérer. Mais non, mais... Mais qui... attendez, il est... Mais forcément, si tu ouvres la porte, Randall, tu veux qu'il se passe quoi d'autre que tu sois tué? Attendez. Il y a une porte, il y a un garde. Alors... Première solution, j'arrive à aller tellement vite que je fonce sur le garde, je désarme. Deuxième solution, je fais ça doucement et je vais tuer le garde. Mais il a pas l'air de dormir, donc du coup, c'est un peu compromettant. Du coup, j'ai dû rater un truc. Hein. Ah mais bon, c'est pas très intelligent ça, hein, Randall. Surtout qu'il y a des barres de métal, tu pourrais grimper easy au lait. Et j'ai l'impression que ce qu'il faut faire en plus... Bah juste péter la porte comme ça pour rigoler. Bon, je vais essayer d'y aller super rapidement. Bon. Il y a une animation qui fait que je ne peux pas bouger après avoir pété la porte. Autrement dit, ça pue. À moins que... Attendez, et en roulade. Peut-être qu'en roulade ça passe. Parce que je vois des barres en haut, mais il veut pas monter. Donc j'en déduis que ça m'a l'air... Ça m'a l'air pas le bon chemin. Hein. Est-ce que genre si je fais... Là non, attends. Comment on fait déjà? Oh, là je l'ai poussé. Non, ah non. Non, bon, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, je teste une dernière fois. Avec la roulade, mais il a pas voulu la faire. Et en plus il me dit je dois la casser mais... Ah peut-être, attendez, peut-être qu'il y a un... Peut-être qu'il part au bout d'un moment ou qu'il s'approche de la porte, si ça se trouve faut le bouler. Oh mais oui, mais quel con, mais oui, siffle. Appelle-le. Fuck you. Et voilà, mais oui, mais si je réfléchissais aussi, prends sa calèche s'il te plaît. Non, tu vas pas me faire ce coup. Si on récupère pas une arme, au moins une. Ah si. Mais par contre j'aurais bien voulu sa mitraillette en fait. Et je vois mon arme. C'est quoi, c'est les nazis ou quoi là-bas? Non Stella, ne meurs pas. Pourquoi avoir fait cette voix de vieux, j'en ai aucune idée. Oula. Je les ai appelés, on sait jamais. Ah d'accord, ok. Alors attends, reviens par là. Pirouette, cacahuète. Hop. Où est la madame? Ah, qu'est-ce que c'est? Une feuille encore? Un morceau du pull et filo. Take off your clothes. We have to decontaminate you. I'm fine, I'm clean. Mais c'est dégueulasse. I'm sure of that. More importantly, you're a pretty girl. But we have to be sure that you aren't going to bite us. The shower will help us to be sure. Take off your clothes. Oh, please! We'll do it the hard way if that's how. Ah bon? Ah d'accord. Oh yeah! Fuck yeah! Here, get dressed. What? How did you find me? People who make noise stir up a lot of attention. Hurry up, we need to get out of here.
Wayne, what happened to us? Where's Sam and Ben? They're all dead, Stella. But they said this was somewhere safe, that they put us in quarantine, that Seattle... You've just seen it with your own eyes. Seattle is dead. That blood in your saliva is the only real thing we have left, Stella. Now, have you seen my wife and daughter, Shannon, Lydia? No, Randall, but they have people trapped all over. They could be here somewhere. Come on, let's go. We've got to find them and leave this place. Bon, je suis désolé, je sais pas pourquoi les cinématiques sont aussi fortes par rapport au son du jeu. Et pourquoi t'es aussi rouge, rose par rapport à la cinématique. Oh, mais ça y est, Metal Gear Solid aussi. D'accord, alors toi tu cours. Toi. Ah oui. Merde, j'ai découpé Stella. Oui, alors toi tu peux t'accomplir, mais moi je peux pas, hein. Oui, bah oui. Non, mais putain, ça j'ai jamais compris. Non, mais t'es sérieux, alors tu peux t'accomplir, mais alors tu peux pas monter, hein. Alors. Ah bon? Ça a l'air dangereux ton. Ah oh non mais je. Putain mais je sais. Oh, mais. T'as l'autre, elle saute, elle s'accroche. Et puis t'as l'autre. Wouah! Randall, aide-moi! Non mais putain. Ah mon dieu, non mais... Ah oui, il mange le truc. Non, attendez. Oui bah, sans déconner, oui, cette porte ouvre sur l'autre côté. Attendez, j'ai quoi comme arme? J'ai tout là? Ah mais ils m'ont... Ah oui, bah oui, mais c'est que mon lance-pierre. Et si... Attends, lui, on va lui tirer sur le crâne, à lui. Ça va être très rigolo, ça. Attendez... Putain, c'est super dur. Attends, j'y vais avec deux doigts. Ah, d'accord. Monsieur est en carton. Je savais pas. Oh, elle commence déjà à me saouler. Hein. Au début, je la trouvais un peu. Oh là, mais alors. Désolé, j'ai pas d'électricité. Bon. Sur ce coup-là, j'étais pas moins cruche qu'elle. Allez, allez. Des drôles de bruit quand même. Je veux pas dire, hein. Madame Stella, mais faites un petit peu de bruit. Allez, on continue. Hop, voilà. Hop, tac. Ouais, ta gueule. Hop, tac, on tire sur le mec. Je l'ai raté, c'est pas grave, on a toujours une deuxième pour rigoler. Voilà, c'est très rigolo. YOLO, on descend, on fait ça. Ta gueule. Oh, alors là. Si ça marche. Ah si oui, mais de toute façon ça sera fermé. Merci Stella. Attendez, si je m'approche je vais mourir là, on est d'accord. Donc, ah bah oui, c'est vrai que le générateur était plus près que ce que je ne pensais. Allez, passe. Ah. Alors toi, si tu me sors un flingue de ta poche, je te tue. D'accord, c'est vrai qu'on pouvait l'ouvrir au cadenas. Oui, j'ai oublié. Oui, on ouvre un cadenas au cadenas. C'est ça, c'est tout à fait logique. Putain, on ne dit pas qu'elle est encore bloquée. Ah non, c'est bon. Ah, alors, ici c'est fermé. Là, on peut descendre. Il y a l'air d'avoir aucun garde, on peut y aller en bourrin. T'es sûr que c'est une bonne idée, Randall, ça? Je doute. Je doute parce que si jamais ils ont la bonne idée. Ah oui, cinématique, ok, j'arrive. Deux. Voilà. Voilà pour cette cinématique. Bon, cela dit, ça nous fait une ouverture. Ah, ça c'est une mauvaise idée. Bon, ils ont trouvé une porte calme comme ça. Je propose qu'on style, Stella. Hein, je sais pas ce que t'en penses, en plus tu devrais déjà être morte vu toutes les balles qu'on t'a mis dans la gueule. Sans déconner. Je te laisse. Hein. Ah bon? Je peux pas la laisser? Ah c'est nul, elle m'a cassé les couilles hein, celle-là. Hein. Bon. Je vais casser le jeu. Ce n'est pas... Ah non mais attendez. Si
si je lui mets un coup de hache dans la gueule, hein? Qu'est-ce qu'il dit? On va voir ce qu'il dit. Fuck yeah! Oh. Ce n'est pas la bonne stratégie. C'est vraiment pas intuitif. Hein. Mais attends, mais je t'aide, mais si je me. Mais si je t'aide, je me fais buter, ça a pas de sens. À moins qu'il faille aller si vite qu'il faille la remonter. Non mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Allez! Allez! Mais moi j'ai pas besoin d'aide là. You're dead! Manifestement, il faut la remonter, mais le problème c'est qu'on se fait tirer dessus. Qu'est-ce que j'ai raté? Attendez, j'ai une idée. Ah. Ah bon. Bon, attendez, je vais vous reprendre dès que j'ai réussi, parce que là, ça va vous saouler. Je sens que ça va vous saouler. Ok, je vais me calmer. Je vais me calmer. C'est possible, oui, c'est possible. J'ai fait ça des trentaines de fois maintenant. Que je dis que ça fait des dizaines et des dizaines, maintenant c'est des trentaines. Ah oui, puisque je refilme un petit peu à chaque fois pour voir est-ce que peut-être je vais réussir à passer. Non, je ne peux pas, désolé. Ah bon, d'accord. Et du coup, je recommence. Hein. Si on pouvait one-shot ce zombie, ça m'arrangerait. Oui, toi. D'accord, non, il veut pas. Voilà. Recharge. Ok. Jusque-là, je sais où vous allez. Merci madame. C'est de grande utilité. Hein. Comme je vous ai dit précédemment. Alors, vous pouvez péter le cadre. Voilà, bon, c'est vrai que c'est plus utile comme ça. Ok, je crois qu'il faut courir à ce moment-là. Voilà, il faut tuer lui. On peut mourir hein, aussi, accessoirement. Ah. Je pensais pas qu'on pouvait mourir autant. Ah oui, parce que oui, oui j'ai eu la bonne idée de plus avoir de balles aussi. Hello. Ah d'accord, la scène la moins épique. Vous connaissez ou pas? Oh putain. Oh mais non, mais c'est quoi cette épicness à la noix de coco là? Ah. Du coup, oui. Parce que je vais pas recharger mon portable. Mon portable. Mon magnum. Attends, peut-être qu'il faut désactiver ça, non? C'est important. S'il me faut repartir depuis tout à l'heure, là, je pète un cap. Ok, c'est bon. Tout bénef, je sais pas à quoi ça sert. Oh, mais non, en fait, fallait commencer par ça. Ok, bon, du coup, on est tranquille. C'est qu'il faut détruire la madame, là. Et l'autre, elle est où, là? Ça se trouve, je l'ai buté au passage. Hein. Ah oui, c'est vrai que oui, quand on n'a plus de balles. Alors attendez. Ah oui, alors toi ça va, pas trop cheater. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va explorer les possibilités. On peut. D'accord, j'ai compris l'idée. C'est du contre-la-montre. Hein. Voilà. Ah non, alors j'ai raté une idée. Allez. Ok. Ils ont dit non. Clairement non. Je me suis fait one shot ou j'ai rêvé? Non, parce que si je me suis fait one shot, c'est un peu triste. Non, j'ai encore fait tout dans le mauvais sens. C'est pas grave. Access denied, madame. Vous connaissez? Oui, elle connaît le access denied, apparemment. Hein. Très utilisé hein, dans les douanes. Alors c'était du pile poil ça. Je commence à m'en sortir. Le problème c'est que dès que je rage, je commence à perdre mon aptitude à réfléchir. Et tout à l'heure, je pense que je l'ai fait. Putain, il a encore assassiné un gars. Attends, je peux ramasser des balles dessus. Plutôt bien du coup. Attendez, si je recharge tout, je peux ramasser des balles. Ah mais non, mais c'est du shotgun. Eh ben voilà ce qu'on aurait dû utiliser. Allez Stella, on se casse. Waouh, Michael Bay dans la place.
Il y a trop d'ombre. Putain, mais elle est tout le temps par terre, elle. Mais arrête de craquer. Oh là. Tiens, sans froid, hein. Ah oui, alors attends. Peut-être on va tuer elle, on va péter la porte, on va se tailler. Est-ce que ce serait la fin du jeu? Cinématique. It's locked. We're going to die, Randall. My family is still in there somewhere. I know it. I don't want to be a monster. Don't let me become a monster, Randall. Don't. Stop. No. What are you doing? Kill me. No. Kill me. I can't. You have to. You. No. Elle a craqué. Never. Kill me. Il a tué sa fille. Oh mon Dieu. Mal sur flou comme ça, ta maison. Police. Carton. Journal. Ah, mais il réfléchit. Oh putain, il m'a fait peur. Le mec, il a défoncé la moi. Je me passe une télé ou. Tainted Love. Be a monster. I don't want us to become that. Only two shells. Kill me. Kill us. I love you. No, tu l'as pas fait. Kill me. Kill me. No, don't you get it? You have a choice. We all do. Choices that define us. Choices that tell us who we are. You can't give up. You can't make that choice. Nobody. It goes nowhere. Choose to be strong for Carla. Choose to be strong for Sam. For Ben. Choose to fight, Stella, no matter what. Choose to live. Ah, là, j'ai raté un épisode. I should have died with you that day, my daughter. But I didn't. I couldn't bear it. I put it out of my mind, like it never happened. Buried the memory so deep, even I couldn't find it. I made a different choice this time, Shannon. A choice I can live with. I'm ready. Oh yeah. Ah. Bon. Deadlight, Tequila Works. J'espère que vous entendez la petite musique, hein. Moi, ça fait du bien. Ça m'apaise, toute la rageance que j'ai mis il y a quelques ces 8 dernières minutes là, est partie en fumée. En tout cas, malgré les diverses intempéries qui ont pu traverser ce périple de façon familiale, de façon fraternelle, ou bien de façon flemme, ou par le travail. J'espère que vous avez apprécié dans tous les cas. Moi en tout cas ça va, c'est vraiment un style de jeu que j'aime bien. Bon, les zombies ça me saoule un peu, on a été bourré, ça me fait bourrer le crâne avec tous les jeux de zombies ces dernières années, mais bon. J'aurais préféré un jeu la Mirror's Edge, j'aime bien les jeux en 2D comme ça. Alors bon, Lightbox c'était pas super toujours bien fait, ça manquait un tout petit peu de... Comment ça s'appelle, de réactivité des fois et de vivacité. Donc un jeu un peu plus, ouais, je sais pas, un peu lourd quand même, mais sympathique.
C'est un jeu indépendant, hein, si je dis pas de bêtises, hein, il ne fait pas partie des grosses boîtes. Hein. Du Kella Work, ça me dit pas grand chose. Faudrait que je regarde quand même s'ils ont fait d'autres jeux. Il est sorti il y a quelques années, il me semble, sur l'Xbox Live. Hein. Je dis, ça se trouve, beaucoup de merde. Hein. Vous pouvez aller vérifier sur des sites. Désolé, des sites appropriés. Je ne sais pas si je vais laisser le générique, parce que je ne sais pas combien de temps il dure, même si je devrais en principe. Et c'est aussi un peu pour moi une victoire, hein. Je vais en parler parce que j'ai essayé de faire quelques let's play, mais ça n'a jamais abouti. Je me suis dit, bon bah, je vais pas en faire un trop long, on va prendre un petit jeu que je connais pas, j'ai acheté pour Noël. Ça va tenir, bah d'ailleurs ça va tenir en 6 épisodes, faut que je monte ça maintenant, hein, parce que j'ai tourné à la suite là, la dernière session. Depuis que je vous ai dit que ça faisait 24 heures que j'avais pas tourné. Donc j'espère que ça vous a plu, hein, même si vous n'êtes pas très nombreux à le regarder. Hein. On est de l'ordre de 20 personnes. Mais au moins j'ai accompli une chose et ce sentiment d'accomplissement il est assez important. Je sais pas ce que le mode cauchemar, j'imagine que c'est encore en plus dur avec une vie, j'en sais rien, mais bon. Microsoft Studio, ah oui, donc Xbox Live Arcade, ouais, j'avais raison. Donc je sais pas s'il y a moyen d'accélérer le phénomène, non, je ne peux pas. Bon. On a vu l'essentiel. Merci d'avoir regardé. Deadlight avec cet ami Randall qui est vachement stylé, hein, quand même. La fin est assez classe. J'espère que vous avez compris un peu d'anglais et j'espère aussi que vous avez entendu. Parce que je. Oh putain, s'il y avait l'option sous-titres, je vais avoir l'air con. Attendez, parmi deux jeux. Surlignage. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de sous-titres. Je suis rassuré. Bon, ok. Alors là, on peut dire que je suis con. Merci quand même d'avoir regardé, si vous êtes les seuls un peu à avoir regardé Deadlight. Vous pouvez aller voir toutes les vidéos qui traînent récemment, savoir du Minecraft, surtout du Minecraft, hein, parce que c'est Dave qui a fait des vidéos pendant que j'avais la flemme. Et surtout la non-disponibilité, parce que quand je suis en vacances, je peux pas upload. Et voilà. Si t'as aimé, bah, tu peux mettre un pouce vert. Si t'as pas aimé, tu peux mettre un commentaire constructif et expliquer pourquoi t'as pas aimé. Et si tu veux t'abonner, tu peux aussi, c'est prévu pour ça. Hein. Sur ce, bonne journée, c'était le mat. Je vous redis bonne journée, parce que je ne sais pas comment conclure. Bonne journée.